Hey, bonjour tout le monde! Quelle belle phrase à prononcer! Bonne Saint-Jean-Baptiste tout le monde! Très heureux de m'adresser à vous pour cette belle fête qui est la Saint-Jean-Baptiste. Après les mois et l'année qu'on vient de passer, en zone rouge, en zone orange, rouge assuré, aujourd'hui, je peux vous dire, on est dans une nouvelle zone. La zone Fleur-de-Lysée, une zone blanche et bleue. Faut en profiter, faut célébrer notre Québec, faut célébrer notre Sainte-Brigitte de Laval. Le thème de la fête nationale cette année, c'est tisser serré. Il y a des groupes de gens qui se sont démarqués au cours de cette année-là, puis je veux souligner leur travail. Je pense entre autres, et on en a beaucoup ici à Sainte-Brigitte, des gens qui travaillent dans le domaine hospitalier. À vous, je lève mon chapeau et je vous dis félicitations pour tout le travail que vous avez accompli. Vous nous avez démontré que vous étiez tissé serré. Un deuxième groupe que je veux souligner, c'est tout notre personnel enseignant. On a deux écoles primaires à Sainte-Brigitte, une troisième qui s'en vient sous peu. C'est le personnel enseignant. Vous avez réussi au cours de cette année-là de bien encadrer nos jeunes, de leur faire comprendre qu'on luttait contre un virus invisible. Donc, vous avez fait des efforts incroyables. Bravo à vous. Et oui, vous étiez tissé serré. Aussi, je veux souligner nos personnes du troisième âge. En fait, ces gens-là, je vous lève mon chapeau aujourd'hui en cette fête nationale. Ce que vous avez vécu pendant la dernière année, ce qu'on vous a imposé comme condition de vie, bravo à vous. Encore une fois, je vous lève mon chapeau. La Saint-Jean-Baptiste, pour moi, c'est une des plus belles fêtes de l'année. Pour nous, les Lavallois, Lavalloises, ça veut dire une belle sortie à pêche sur la rivière, une partie de golf au alpin, une belle soirée autour du feu, un match de baseball de nos équipes locales, un match de soccer. Il y a plein d'activités ici à Sainte-Brigitte pour la belle période estivale. Puis, en terminant, ce que j'ai le goût de dire par rapport à cette Saint-Jean-Baptiste-là, qui est très particulière, qui est une fête un peu hybride cette année, comme Québécois, comme Lavallois, on a bien démontré qu'on était des gens tissés serrés. Même à 2 mètres de distance et masqués, on a réussi à se démarquer, on a réussi à être tissés serrés. Bonne Saint-Jean-Baptiste tout le monde et profitez-en bien.